la jeunesse de Cotonou. Mais dorénavant, j'ai rendez-vous là pour pouvoir se rencontrer. Qu'on puisse détecter les talents en matière de football, mais surtout qu'on puisse cultiver le vivre ensemble au niveau de notre jeunesse de Cotonou. Nous avons lancé le tournoi sur le terrain de Bégamé et nous revenons jouer la finale sur le terrain de Bégamé en espérant très certainement qu'en 2024, que ce soit dans un autre arrondissement, pourquoi pas le 12e arrondissement. Toutes les équipes, tous les arrondissements, comme vous l'avez vu, ont été primés. Ce fut donc une réussite. Et vraiment bravo aux équipes, à toutes les équipes et bravo à Tonato, le 12e arrondissement. Bravo au 12e arrondissement, à tous les arrondissements qui n'ont pas démérité. J'aime bien cette ambiance, j'aime voir cette jeunesse effervescente, pleine d'énergie, qui veut juste être guidée pour nous faire conquérir le monde. Demain, un grand soleil, un beau soleil se lèvera sur notre pays. J'y crois fortement. Vous avez regardé la télé hier et vous n'êtes pas content. Les Béninois, à leur ensemble, ne sont pas contents. Il n'y a pas de miracle. Si demain on veut être content, si on veut gagner, se qualifier, c'est en commençant par ce que nous sommes en train de faire ici. Et donc je vous souhaite beaucoup de courage. Merci pour ces moments que, grâce à vous, public de Cotonou, nous avons pu offrir. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été témoin et artisan de cette première édition. On a imaginé une compétition qui pouvait vous rassembler et qui pouvait vous ressembler. Il y a des partenaires qui ont cru en nous. Je voudrais tout particulièrement remercier Ouché Oudefil, la DG de MTN. Monsieur Gaston Zossou, DG de LNB, merci à tous les autres sponsors, à la G10, à Helico, à tout le reste. Il y a d'autres communes du Bénin qui nous attendent. On a un challenge plus grand la prochaine fois et grâce à vous tous, nous pourrons le réussir. Merci Cotonou!